Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut allumer différents types de chauffage vu qu'on arrive en hiver, ce qui peut vous servir. Du coup, je vais aborder différents sujets comme le chauffage central, les radiateurs électriques, les poêles à bois ou à pétrole, les cheminées, tout ça. Bref, commençons. Je vais commencer par le chauffage central parce qu'on en a tous un dans notre maison. Il faut que vous vous dirigiez devant votre chaudière pour passer de hors gel à la valeur souhaitée entre 1 et 5 pour régler la température de tous les chauffages reliés à cette chaudière. Ensuite, les radiateurs électriques. Il faut tout d'abord les brancher, régler la température et la puissance électrique que vous souhaitez pour chauffer votre pièce. Moi, vu que j'ai un chauffage central et des radiateurs électriques, je mets le chauffage central sur 1. Comme ça fait une petite chaleur. Et ensuite, pour avoir plus chaud, j'allume un radiateur électrique à peu près à la moitié de la puissance. Ensuite, pour les poêles et les cheminées, je laisse mon collègue s'en charger. Bien sûr. Alors, pour les poêles et les cheminées, le principe est assez simple. Il suffit de mettre du bois, du papier et un allume-feu. Avec ceci, une petite allumette ou des briquets. Et avec ça, on allume le tout. Pour que ça tienne, on met des cendres sur les braises. Ça, c'est une technique que j'ai appris récemment. Et oui, on met les cendres sur les braises. Une fois que c'est bien démarré, une fois que ça commence à chauffer, qu'il n'y a plus de flamme. Une fois que le bois est braisé, avec du feu, enfin, une fois que le bois est rouge, on met un peu de cendres pour que ça tienne plus longtemps, pour que la chaleur reste. Et une fois que ça tienne plus longtemps, ça fait chauffer plus longtemps. Ah oui, c'est pas bête. Et oui. Et l'énergie, du coup, va se répartir partout dans la maison. Et oui, c'est ça. Mais c'est vraiment ingénieux. Oui, c'est ingénieux. Maintenant, passons au poêle à pétrole. Le poêle à pétrole, c'est le même principe qu'un poêle à bois, sauf qu'il n'y a pas de feu direct dedans. En fait, c'est un tube en métal qui sera imbibé de pétrole et qui va monter à une très haute température, ce qui va permettre de chauffer une pièce. Ça chauffe très très vite et très fort et c'est dangereux. Du coup, je vous conseille pas d'avoir ça. En plus, ça pue. C'est vrai. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On l'a tournée en cours. Du coup, les moyens sont pas ouf, mais c'est quand même une vidéo. C'était court. J'en ai pas tourné depuis longtemps et ça m'a permis de tourner avec un collègue. Et bien sûr, c'était court mais intéressant. Cet homme-là, il s'appelle Clément. C'est un PD. Il est pas beau.